Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est vraiment un sujet à controverse, qui est rarement abordé par les personnes qui ont fait des études en psycho. Effectivement, la plupart des personnes qui sont prestataires dans ce domaine ne vont pas commencer à vous parler de ça, qui est quoi? L'addiction à votre psy ou à votre thérapeute. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin vraiment d'aide quand ils arrivent chez un thérapeute, mais ensuite ne comprennent pas qu'à un moment donné, ils doivent aussi reprendre les rênes de leur vie et se détacher du thérapeute. C'est-à-dire que même si vous voyez une personne régulièrement, et surtout si vous voyez une personne régulièrement, il va falloir reprendre votre vie en main. Vous êtes la personne au centre de votre vie et personne ne pourra vivre à votre place votre vie. Donc ce qui est important, c'est de vous dire, ok, je fais mes propres choix. Je choisis moi aussi de faire peut-être cet accompagnement avec une personne, mais cette personne ne fait jamais que vous tenir la main. Et c'est à vous aussi à avancer, à faire vos propres expériences et choix. C'est un petit peu comme un parent, si vous voulez, qui vous accompagne à un moment donné. Ce parent-là peut vous lâcher la main parce que vous êtes assez grand, si vous voulez, et vous êtes capable de faire vos propres choix. Surtout, ne restez pas dans une addiction par rapport à une personne, parce qu'au final, sinon, vous n'êtes pas libre. Sinon, en réalité, vous devez simplement aller chercher près d'un psy, près d'un thérapeute, des outils pour les utiliser vous-même, pour les faire vôtres. Et c'est à vous aussi à valider ou pas la théorie de la personne en face de vous, qui est aussi elle-même ou lui-même impactée par rapport à ses propres perceptions. Ça veut dire que la personne peut projeter aussi certaines choses sur vous et le transfert n'est pas que dans un sens, hein. On parle souvent de transfert que justement dans le cas du patient vers sa psychothérapeute, sa psychanalyste, etc., son médecin éventuellement. Mais on ne pense pas qu'il y a peut-être aussi parfois un transfert de la personne qui vous suit, qui est thérapeute, vers le patient. Donc on est tous plus ou moins impactés par ce qu'on a vécu préalablement. Et donc c'est pas un problème en soi parce qu'en réalité on va s'orienter vers telle ou telle personne dans nos relations affectives ou même amoureuses parce qu'on a vécu des trucs dans le passé, parce que telle personne nous ramène à telle autre personne ou à telle autre expérience qui est plutôt positive ou négative d'ailleurs, ce qui va faire qu'on va aller vers cette personne ou pas, vers cette situation ou pas. Et donc tout ça c'est complexe, vous l'aurez compris, mais donc ne vous laissez pas enfermer dans une dépendance à votre psy ou à votre thérapeute. Donc à un moment donné, reprenez aussi votre vie en main. Ne vous dites pas, ben voilà, comme il y a quelqu'un qui dessine à ma place, je vais demander au psy, il sait forcément tout. C'est pas vrai. En réalité, un thérapeute, un psy, etc., passe son temps à aller voir ce qu'il y a au fond de vous, parce que vous avez la réponse à vos problèmes, vous avez la solution, la meilleure des solutions pour vous à l'instant présent. Donc ça veut dire que peut-être après vous aurez une autre solution, ou que vous allez vous orienter différemment, mais vous devez rester acteur de vos propres vies, et vous avez le droit aussi de prendre un chemin qui était le bon à ce moment-là, et puis après de l'ajuster, d'aller vers autre chose. C'est pas parce qu'un psy vous a dit dans le passé il faut faire comme ceci ou comme ça que c'est encore vrai actuellement aussi. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas embarquer non plus. Dites-vous, ok, j'écoute ces conseils-là quand je suis perdu. Généralement, c'est un peu quand on est perdu, quand on est trop en souffrance pour accélérer une progression et pour voir un petit peu plus clair qu'on va voir ces personnes-là. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui allez vous dire, ok, je ne sais pas quelle étude je vais faire, je vais aller voir un coach par exemple, mais après tout, c'est moi qui amène aussi de la matière à ces personnes-là, qui va vous dire, je vous vois plutôt dans tel ou tel registre, ah, votre personnalité c'est plutôt ça et ça, vous avez des expériences et voici le point commun, donc c'est une personne qui va mettre en lumière ce que vous avez vécu, mais en réalité, c'est vous qui amenez qui vous êtes. Et vous avez déjà des réponses en vous. Ces personnes vont vous aider un petit peu à accoucher, mais vous avez déjà en vous ce qu'il faut pour avancer. Donc, c'est pas cette personne qui va décider pour vous, oui, je dois faire ça, ou non, je dois faire ça, oui, je dois divorcer, non, je dois pas, ou oui, je dois me mettre en couple avec telle ou telle personne, ou oui, je dois intégrer telle ou telle personne dans ma vie. L'autre n'a pas, en fait, de décision de telle heure à prendre. C'est pas quelqu'un qui a une baguette magique, qui sait mieux que vous, tout à fait. C'est quelqu'un qui, comme cette personne est à l'extérieur, elle est plus neutre, etc., va pouvoir mieux observer les choses et vous dire, tiens, j'ai remarqué ceci et ça, et ça va vous guider parce que vous aurez une autre façon de voir les choses, une autre façon de réfléchir, de penser. Cette personne va vous amener des outils, effectivement. C'est toujours mieux de creuser avec une pelle que avec les mains vide, mais effectivement, à un moment donné, c'est à vous à creuser, c'est à vous à vous dire, là, je vais creuser là parce que là, je pense qu'il y a un trésor et là, j'ai envie d'aller plus loin à tel ou tel niveau. Mais donc, attention aux personnes qui vont vous embarquer simplement, parfois par bienveillance cependant, et qui, en fait, vont continuer un travail avec vous alors qu'en fait, vous êtes capable tout seul de vous en sortir
Et à un certain moment aussi, il faut viser sa propre autonomie. Donc ne restez pas dépendant de quelque chose. C'est un peu comme aller voir un kiné, vous allez le faire quand vous avez des problèmes musculaires. Éventuellement, vous allez voir un ostéopathe, vous allez voir des spécialistes, faire des radios, des médecins, etc. Et à un moment donné, ben, ça va mieux. Et ça va tellement mieux que vous sentez que vous n'avez plus besoin nécessairement de séances de kiné. Et là, vous pouvez en parler avec le kiné en question et lui dire, mais voilà, maintenant, je pense que c'est bon. Je reviendrai peut-être te voir dans 2 mois, 3 mois, etc. Ça peut être périodique, mais effectivement, vous avez toujours des, malheureusement, des prestataires qui ne s'en sortent pas financièrement et qui vont vous dire, non, revenez plus tôt parce qu'en fait, ils pensent à leur argent, tout simplement. Malheureusement, il y en a. C'est pas tout le monde comme ça, bien entendu. Je pense que c'est quand même une minorité, mais attention et prenez toujours les rênes de votre vie en main. Ça veut dire aussi qu'à certains moments, si vous en avez vraiment besoin, il faut y aller. Il ne faut pas vous dire, tiens, c'est que pour les personnes faibles ou c'est que pour les personnes qui ont des problèmes vraiment importants. N'attendez pas d'avoir tellement de problèmes que là, ça devient urgent et que vous n'allez pas pouvoir tenir pendant 2-3 jours sans être vraiment dans un état de détresse immense. Donc ne vous laissez pas souffrir non plus inutilement. Bien entendu que c'est important d'aller voir quelqu'un qui peut vous donner des outils, vous faire avancer, parce que vous faites l'économie d'une souffrance aussi. C'est dommage de voir des personnes qui sont en dépression pendant des mois alors qu'on aurait pu écourter ça un petit peu, effectivement, et moins souffrir, avancer plus vite, avoir plus de guides. C'est important pour tout le monde et vous pouvez les trouver même parmi vos amis, etc. Et c'est pas nécessaire non plus d'aller voir d'office un thérapeute dans tous les cas non plus. Donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est au cas par cas. C'est à voir en fonction de votre situation. Posez-vous parfois la question, est-ce que je peux redevenir plus autonome là? Et est-ce que je peux d'ailleurs demander conseil à mon thérapeute, à mon médecin ou autre? Effectivement, je pense qu'une personne qui va viser votre bien-être à un moment donné, vous allez pouvoir en parler avec. Et cette personne peut vous dire, ok, moi je suis plutôt partante pour qu'on éloigne un petit peu les consultations, etc. Ou pour que simplement vous puissiez, par exemple, faire telle ou telle chose et après on va regarder comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, on va aviser. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous obliger à avoir telle ou telle séance toutes les semaines ou exactement 2 fois par semaine, etc. Donc attention aussi à devenir addict à ça. Je sais que c'est un sujet peu abordé, c'est une réalité aussi. Ça n'est pas nécessairement pour ça que la personne n'est pas compétente. Parfois les personnes se disent, on est embarqué dans 1 fois semaine et le patient ça a l'air de lui convenir, donc je remets pas ça en question. Parfois il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui ne vont pas vous dire, mais peut-être que maintenant c'est moins nécessaire ou peut-être qu'on pourrait tester autre chose. Et donc c'est toujours en fonction de vos besoins et ça veut dire qu'à certains moments c'est peut-être nécessaire un peu plus et à certains moments un petit peu moins. Ou parfois, eh bien, faut accepter qu'au final vous n'avez plus besoin pour l'instant et vous ne savez pas nécessairement quand ça reviendra, ce besoin-là peut-être reviendra dans X temps. Et vous ne savez pas exactement dans quel délai, et c'est tout à fait normal. La vie est comme ça, la vie, elle doit se vivre au fur et à mesure, et pas se prévoir tout le temps, et se dire, ah, dans 6 mois, je prévois que je serai sûrement mal, et que donc je vais venir vous voir, ou que, au contraire, dans 6 mois, je serai bien. Alors si c'est prévoir que ça va bien, c'est plutôt positif, donc ça veut dire que vous avez plutôt bon espoir. Peut-être que dans 6 mois, il y a un truc que vous n'avez pas prévu qui va vous arriver, je vous souhaite bien sûr pas, mais ça pourrait du coup vous amener à nouveau à revoir une personne à ce moment-là parce que vous avez besoin d'aide. Et parfois l'intelligence, c'est savoir demander de l'aide au bon moment, à la bonne personne, et savoir aussi ne plus en demander quand ce n'est plus nécessaire, tout simplement. Donc voilà, avisez en fonction de votre situation. Je sais que donc l'addiction au psy, au thérapeute, ce sont des choses qui sont peu abordées, des sujets peu abordés, mais qui existent, soyez juste conscients de ça. C'est le but de cette vidéo, vous dire qu'il faut être conscient, effectivement, que ça existe et voir comme ça dans quelle situation vous êtes éventuellement ou pas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de toute façon à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et également à commenter. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.